que je désirais une merveilleuse plante qui s'appelle le Cilium albiflorum. Savez-vous ce que je viens de faire? Je viens de féconder un hibiscus. L'hibiscus déteste la vie. Eh bien, je lui joue les cordées à piston juste au moment de la fécondation. Ça l'embête, ça le dérange, ça va le mettre en rage, ça va lui faire perdre la boule. Il va se féconder de travers, c'est-à-dire qu'il va me donner une graine. D'où sortira un monstre cocasse qui sera un hibiscus ou qui n'en sera pas, qui sera une plante comme on n'en a jamais vu. C'est-y donc toi? Quoi t'as dit? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi t'es si changé? Est-ce qu'on rentre comme ça chez ses parents sans seulement leur faire mignon? Es-tu malade? T'as donc pas faim? Clément tourna sur sa chaise et poussa une sorte de bestial grognement. Puis il se leva et se dirigea vers la porte. Mais où que tu vas? Où que tu vas déjà? Je vas où je vas. Étaient-ce des loups, des fauves, égarés de quelques ménageries foraines? Des braves se cachaient, armés d'antiques flingots, autour des demeures, dans les fourrés. Que tout d'un coup, devant elle, elle vit une botte de paille remuée, détachée du tas, tournée comme une personne, s'abattre à ses pieds, et du trou d'ombre noire que la botte de paille avait couvert en tombant, apparaître une horrible figure qui l'étreignit à l'étouffer, à lui meurtrir la chair, à lui briser les os. Et elle s'évanouit. L'endroit de cette scène était une sorte de caverne ronde dont les murs étaient formés de bottes de paille tassées l'une contre l'autre. Un jour, Perne tombait du toit par une lucarne carrée, éclairait des choses sinistres dont il est malaisé de décrire l'horreur. Et il me disait, avec son bon sourire, ah, 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 le bon sourire de Monsieur Keller. Eh bien, Clément et la goutte. Oh, ma foi, c'est pas de refus. Ah, tout le monde était bien content. Du pays, on venait voir les pétunias pousser. Tout d'un coup, ils ne poussent plus. Et même, ils jaunissent. Et à la fin des fins, ils crèvent. Tous, tous, excepté un seul. Ah, dame. Monsieur Kenney n'était pas content. Ni moi non plus, fichtre. Quelle pouvait être la cause de cela?
petit âne était tout petit, très svelte, joli. Il avait des jambes fines et nerveuses, comme celles des chevreuils, des yeux expressifs, enjoués et d'une telle douceur que je voudrais en voir de pareil au visage des humains. Sa robe, lavée, peignée, lustrée, était gris-rose, et une raie d'un noir de velours brillant lui courait comme un ruban sur le dos. Je les rencontrais, l'âne et l'homme, juste en face de la trouée que forment les nouveaux palais. À cet endroit, l'avenue est toujours fort encombrée par les voitures et la circulation des piétons très difficile, surtout à cause des braves sergents de ville à qui est dévolu le privilège de rendre possible toute espèce de circulation dans Paris. Ce jour-là, l'encombrement était terrible. Et de plus, le pavé de bois glissant, glissant, le petit âne marchait péniblement en rechignant au milieu des voitures et des promeneurs.